La finale, elle compte double, elle est sèche. Et en général, c'est elle qui décide du vainqueur à la fin, c'est pour ça qu'elle a été mise à la fin. Donc l'aborder, ça dépendra le nombre de points d'avance ou de retard. J'espère que ça sera d'avance. On s'est préparé à avoir des points d'avance. Et on a travaillé par exemple avec Franck Camas la semaine dernière sur du match racing. Voilà, on s'est dit que si jamais on devait se la jouer un contre un, ça serait bien de s'échauffer un peu là-dessus, ce qu'on n'avait pas fait. Et on a fini ça la semaine dernière. Donc on est un peu dans l'anticipation et ça, c'était pas mal. C'est vraiment le coup près, cette finale ? Ouais, c'est vraiment elle qui va décider. Je pense qu'on ne va pas faire énormément de manches. Il n'y a pas énormément de participants puisqu'on n'est que 20. Et donc il n'y aura pas beaucoup de points de différence et les concurrents vont être très proches. Donc j'imagine que ça va jouer pour la médaille d'or entre 3 et 5 bateaux. Donc voilà, il faut être dans ces 3-là ou dans ces 5-là pour pouvoir prétendre à la victoire.